Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur les Blabla Tête Sol pour une nouvelle vidéo tuto. Aujourd'hui, je vous propose une carte Accès Noël qui brille pas mal, aussi bien ici avec l'effet nacré et puis avec surtout ces boules de Noël qui brillent de mille feux. Alors pour réaliser ceci, pas besoin de papier design. En fait, j'ai utilisé des masking tape ou washi tape, comme vous voulez. Donc ici, j'avais utilisé le noir et le doré. Je les ai en fait mis sur du papier. J'ai mis des bandes alternées, les unes serrées contre les autres. Puis ensuite, je suis venue réaliser des découpes dans le papier que je venais de créer. Ce que je vous propose ici, ça va être de réaliser avec d'autres coloris. De faire par exemple une violette avec du doré. Puis une orangée, bronze en fait, avec du noir par exemple, pour changer les créations. Je vais aussi un peu changer les variantes comme je vous l'avais promis. Malgré que c'est un projet où il faut très peu de matériel, puisqu'il n'y a pas de papier design, c'est que du papier basique, blanc ou noir. Bon, il y a le blanc pailleté, tout de même j'ai pris le blanc miroitant, mais on peut prendre aussi du blanc basique. Vous voyez que le fond, je l'ai quand même embossé dans un classeur de gaufrage et que j'ai utilisé des poinçons cercles et des petits nœuds. J'ai utilisé aussi notre peinture à effet noir miroitant, comme ça un petit peu un effet laqué pour donner quand même de la brillance à mon projet. Je voulais quelque chose de simple et facile à réaliser. Vous montrer qu'avec très peu de matériel, il est possible de réaliser des jolis projets. On a utilisé aussi une cordelette ici en coloris doré. Je vais vous montrer ici, là c'est la variante la plus poussée. Je vais vous réaliser avec vous deux autres variantes, toujours avec les mêmes papiers. Une base de cartes, donc j'ai pris à chaque fois deux fois les mêmes mesures et les mêmes papiers. Donc une base de carte de 29 cm par 11 cm. Un panneau noir, tout ce qu'il y a de plus simple, du noir nu, de 14 cm par 10,5. Un panneau blanc, toujours miroitant, ici. Hop, et vous pouvez bien sûr le réaliser avec du papier blanc simple. Un panneau blanc de 13,5 cm. Par 10 cm. Ensuite, il vous faut des chutes de papier noir pour créer l'étiquette. Alors, j'ai pas besoin de tout ça. Des chutes de papier blanc miroitant pour mon étiquette ici. Et des chutes de papier blanc, tout ce qui est plus basique, donc du papier blanc simple, pour les boules et les petites découpes pailletées. Bon, j'ai pris des chutes qui me restaient, moi. Ce qui est bien, c'est que ça permet, c'est un projet qui permet d'utiliser nos fonds de tiroir quand même, parce qu'on utilise pas mal de chutes de papier. Et j'ai fait la même chose une seconde fois avec d'autres chutes de papier blanc et du papier noir pour réaliser mes découpes. La première version était une version avec du papier noir pailleté ici. Enfin, pailleté, c'est moi qui suis venue le pailleter avec notre Wink of Stella. Je vais utiliser encore cette fois-ci pour le projet intermédiaire le Wink of Stella. Le papier blanc ici, il a été placé dans notre classeur d'embossage 3D mur plâtré. Je voulais de la texture derrière. Cette fois-ci, je veux le faire aussi, mais je ne vais pas utiliser de classeur d'embossage. On est dans une version intermédiaire, pas de classeur d'embossage. Je vais tout simplement venir utiliser une règle et une bille à gaufrer, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà. Pour vous prouver qu'on peut créer de la texture aussi sans le classeur d'embossage. On va rester sinon sur la même chose pour les boules avec le papier, avec le masking tape. On va garder les petits nœuds poinçons. On va garder nos poinçons étiquettes et on va garder notre fil doré. Par contre, je vais enlever en plus du mur plâtré, je vais enlever les petites gouttes d'effet texture et à la place je vais mettre des bijoux plus classiques que j'ai commencé déjà à coloriser en noir
Et d'ailleurs, je vais refaire une couche supplémentaire pour que ça prenne bien. Donc, vous voyez que vous pouvez utiliser vos stamping blades. Je vais venir les coloriser avec les marqueurs à alcool. Ça vous donne une autre possibilité. Si vous n'avez pas de peinture à effet, vous pouvez mettre des bijoux. Alors moi, je choisis de les colorier en noir. Vous pouvez en avoir des noirs directement. Et vous pouvez aussi les laisser transparents pour apporter de la brillance. Je vais utiliser un masking tape noir. Je souhaite apporter un petit peu de contraste sur mon fond. Je réutilise du noir. On va faire autre chose sur le troisième projet qui sera le projet le plus simple. Pour le reste, donc, on reste pareil. Notre set de tampons pour utiliser Joyeux Noël et le petit nœud du même set assorti pour les découpes. Alors, ok, ça vous fait un set de tampons et de poinçons, mais vous pouvez très bien avoir un Joyeux Noël autre part. Vous pouvez aussi l'écrire à la main si vous souhaitez. Et le petit nœud, vous allez voir dans une autre possibilité juste après. Et j'ai utilisé ce set pour récupérer les cercles et mes étiquettes. Voilà. Donc j'ai utilisé ce poinçon ici que j'ai rapetissé après pour avoir un contraste. Et ensuite j'ai utilisé trois tailles de poinçon. Je pense que j'avais utilisé celui-ci. Celui-ci peut-être. Et celui-ci. Vous pouvez aussi, bien sûr, utiliser, moi je prends les poinçons parce que j'ai un petit peu la flemme. Vous pouvez utiliser une perforatrice, des perforatrices cercle si vous avez, mais vous pouvez aussi utiliser un compas. Ou pourquoi pas, regardez, vous avez des petits bocaux, vous prenez le rond, ça correspond à peu près en même temps, vous prenez un crayon de bois, vous faites le tour, je vous donne des petits trucs, vous coupez avec votre paire de ciseaux. C'est sûr que c'est plus facile avec les cercles, mais il y a possibilité. C'est pour ça que je voulais vous montrer que j'ai même pas utilisé un set de tampons de Noël ici, enfin de poinçons de Noël pour les boules. C'est des simples cercles que j'ai réalisés. Donc bah, c'est parti pour le premier projet. Je prends un de mes kits de cartes, enfin de papier, et c'est parti. Donc je mets mes poinçons de côté, je prends mon massicot, donc je vous redonne les mesures. Le papier fait 29 cm par 11 cm. Dans le sens des 29 cm, on va venir faire un pli à 14,5 tout simplement pour plier notre base de carte en deux. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, je vais prendre mon panneau noir. Je vous ai dit pour le projet intermédiaire, puisque là, on est sur le projet du milieu avec un petit peu de matériel. Je viens mettre des paillettes. Je ne sais pas si vous le verrez à la caméra. Sur tout le tour de ma carte. Je vais vous montrer. Ah, ça se voit bien sur le noir pour une fois. Donc je fais un bord à peu près de 5 mm tout le tour pour donner l'effet que j'ai pris un papier pailleté alors que c'est un papier de ce qui est plus simple, un papier basique. De bonne qualité, certes, mais sans aucune brillance. Voilà, et je le laisse sécher comme ça. Comme ça, je viendrai placer mon panneau ensuite. Ensuite, mon panneau, normalement, c'est celui-ci, le papier blanc pailleté. Alors, il n'est pas pailleté, il est... Je ne sais pas si je vais réussir à capter la lumière. Il est miroitant, donc il y a légèrement des paillettes, il est légèrement bruyant. Et ce papier, il n'a pas de rainurage. Il n'a pas de... J'ai pas de classeur de gaufrage, on va dire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une bille à gaufrer. Et puis, je vais prendre une règle en fer. Hop. Et puis, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir créer des lignes. Donc, j'y vais
complètement aléatoirement. Je vais essayer de vous le montrer. Ah, là, vous le voyez peut-être. Vous voyez le motif que j'ai créé? Alors, moi, je le vois très, très bien. Alors, on va continuer les motifs. Donc là, j'ai vraiment un motif. J'essaie de vous le montrer, mais c'est pas évident. Ah, peut-être ici. Je sais pas si vous voyez. J'ai créé un motif dans le fond qui me plaît bien. Et donc lui, il va venir comme ceci. Bon, bien sûr, il sera collé au volume. Ça va être comme ça. Comme ceci, on a le début de notre création. Donc là, je vais prendre mes masking tape. Si je les retrouve, oh ben, ils sont là. Alors, je vais prendre du noir et du violet. Je vais vous montrer comment je fais. Donc, je vais prendre un morceau de papier, tout ce qu'il y a de plus classique. Et puis, on va commencer à créer. Il faut donc de la place ici. Je vais faire tout le haut. Il y a largement assez. Et après, il y aura les petits nœuds. Sur cette partie-là, ça sera que du violet. Je vais faire une séparation à partir d'ici, c'est du violet. C'est ok, ici oui, et ici oui. Vous voyez qu'on est bien, ça sert à rien d'utiliser plus de washi tape. Je mets de côté. Donc là, ce que je vais faire, c'est réaliser mes découpes. On va pouvoir passer à l'assemblage. Je reprends ma base de cartes, mon panneau, mes boules. Donc en fait, je vais choisir une disposition, peut-être comme ceci, comme ceci, comme ceci. On n'est pas obligé d'être tout à fait pareil que tout à l'heure. On place comme on a envie, on peut même mettre un petit peu en diagonale. On place les boules comme on le souhaite, d'une autre façon. Avant, donc je vais les perforer. Pour ça, je prends une perforatrice type Crocodile. Je viens faire un trou. Un endroit qui me convient. Comme ceci, par exemple. Donc là, c'est ok. Ce que je vais faire, c'est tout de suite fixer mes boules. Avec des stampings dimensionnels. Ceux-là, je vais les garder pour ça. Je vais venir prendre une, deux et trois stampings dimensionnels. Vous voyez que c'est très simple. Il suffit juste d'y penser. Comme ceci. Ensuite, on va prendre nos ficelles. Donc, on met du doré ou de l'argenté. Comme j'ai des petits points noirs, on peut mettre ce qu'on a envie. Je vais changer, je vais mettre un petit peu d'argent. Donc, je vais prendre des ciseaux.
Là, ce que je fais, c'est que j'ai besoin à peu près ça. Je calcule. Que je puisse aller jusque derrière. Rabattre. Je prends un petit peu de marge. En fait, j'ai besoin de mon fil en double. On va commencer par la plus longue. Tout simplement, on vient la placer dans le trou de la boule. Je prends comme ceci et il va venir se scotcher au dos. Vous voyez que j'ai déjà mis ma ficelle. Ensuite, la moyenne, même chose. Je me centre. Je passe mes fils au dos. Comme ceci. Et pour le petit dernier, même chose. Je prends mon fil, je le passe dans le trou, je remonte comme ceci. Là, je vais prendre du scotch adhésif, tout ce qu'il y a de plus classique. Je prends un petit doigt, un petit bout, je veux dire. Je viens me lisser parce que j'ai envie que mon fil soit bien droit. Qu'il ne tourne pas. Et je viens le fixer au dos. Comme ceci. Suivant la même chose, je veux que le fil soit lisse. Je me place comme j'ai envie. Et je viens prendre un petit bout de scotch. Comme ceci. Et pour le petit dernier, même chose. On vient le coller au dos. Et ça bougera plus une fois que c'est fixé. Ici, on est bien. On a nos trois cils. Ensuite, on va pouvoir venir mettre quelques bijoux. Ensuite, on va venir mettre du double face. Et là, on va venir se centrer sur notre papier noir. Pailleté, enfin qu'on vienne pailleter sur les bords, comme ceci. Ensuite, on va venir se placer ici. Donc là, je vais prendre de la colle, tout simplement. Comme ceci. On va s'occuper de nos petits nœuds. J'enlève les petites découpes du milieu. En voilà un. Et là, je vais prendre des mini points de colle. Voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais colorier à nouveau. Donc il me faut trois gros, plus deux pour l'étiquette. Donc je vais colorier 5. Et on couche juste après. Pendant ce temps-là, je vais m'occuper de coller mon étiquette. Donc mon étiquette. Je vais mettre deux stampings dimensionnels.
Je viens me centrer. Voilà. Et je reviens coller deux stampings dimensionnels. Comme ceci. Je vais venir prendre mon pinceau à paillettes. Je vais venir mettre des paillettes sur mon étiquette sans toucher mon encre, histoire de ne pas la faire baver, juste un petit peu tout le tour. Et j'en mets aussi sur le noir au-dessous. Pour rattraper la même couleur que ma base de carte. Je ne sais pas si vous allez voir les brillants. Je viens remettre une deuxième couche de noir sur mes bijoux. Je laisse sécher et je vais m'occuper de mettre une petite décoration à l'intérieur. Ici, je prends un set de tampons et je vais juste marquer la féerie de Noël, tout simple et efficace à l'intérieur de ma carte. Simple. Et là, je vais pouvoir coller mes petits bijoux. Donc un au centre de chaque nœud. Comme ceci. Histoire de les faire ressortir un petit peu. Et un sur chaque étiquette. Comme ceci et comme ceci. Voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous voyez vraiment la texture au niveau du panneau. J'ai essayé de vous la montrer tout à l'heure, mais c'est pas évident avec les boules. Donc voilà la première et la deuxième version. On va partir sur une troisième version encore plus simple. Je prépare mes découpes hors caméra et je reviens vers vous. Je reprends après avoir réalisé mon dernier exemplaire. Il est plat. J'ai pas utilisé de mousse 3D. C'est une option de parti pris. Je voulais quelque chose de simple pour les débutants. Pas en facilité spécialement, mais les débutants qui n'ont pas encore beaucoup de matériel et vous prouvez qu'il était possible de faire des choses sympas avec simplement du washi tape ou un papier pailleté, des cercles que vous pouvez réaliser avec des perforatrices, des poinçons ou même vous-même en découpant des cercles, une perforatrice, un petit bout de ficelle dorée, une étiquette que vous pouvez créer vous-même. Moi, je l'ai quand même réalisé au poinçon. Un simple tampon Joyeux Noël et du papier blanc et du papier noir. Il n'y a aucun effet de paillette, aucun effet de texture. Il n'y a pas de classeur d'embossage. C'est du plat, du ce qu'il y a de plus classique. Et pourtant, c'est joli quand même. Il reste deux étapes à faire. Tout d'abord, je vais réaliser des petites projections en noir. Je vais essayer de ne pas faire une catastrophe, comme on dit. Je mets un petit peu d'eau. Et là, je viens prendre un pinceau à réservoir d'eau. Celui-là, c'est la brosse. Je ne veux pas celui-ci. On va choisir un modèle le plus fin pour faire les gouttes les plus petites. Donc, je vais mettre un petit peu d'eau dans ma pointe. Je vais faire un essai. Voilà, ok, ça me va. Et là, vous voyez, je viens créer des... en tapotant doucement.
pour donner quand même un petit peu de contraste à mon papier. J'irai pas plus loin. Je reste soft, comme ceci, pour quand même créer. On n'a pas de bijoux, mais il suffit de l'encre et de l'eau, et vous pouvez créer des projections. J'irai même qu'on peut très bien rajouter des petites taches de couleur. Par exemple, ici, c'est couleur tarte au potiron. J'ai l'encre tarte au potiron. Je peux faire la même chose. Je vais le faire d'ailleurs pour vous montrer, pour faire un contraste en deux couleurs. Alors, soit vous avez que de l'encre noire et vous êtes débutant, soit vous avez la chance d'avoir un petit peu d'encre assortie aux couleurs de votre papier ou de vos créations. Et vous pouvez, du coup, je vérifie que mon pinceau est propre. Et là, je viens reprendre un petit peu. Et là, même principe. Je viens mettre des toutes petites gouttes. C'est des petites projections, comme ceci, pour donner un effet un peu confetti, fête. C'est Noël après tout. Et vous voyez que ça fonctionne très très bien et que c'est joli aussi. Il reste les petits nœuds. Les petits nœuds, on dit qu'on n'a pas de poinçon. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va venir chercher notre fil et on va créer les nœuds nous-mêmes. Donc, je vais prendre un petit morceau de ficelle. Et puis, on va créer notre nœud. Ce qu'il y a de plus classique. Hop. Comme ceci. Là, je vais couper ce qui dépasse. Et on va venir placer ce nœud ici, tout simplement, avec les mini points de colle. Comme ceci, on va en mettre la même chose ici. Et voilà. L'option des petits nœuds, c'est sympa aussi. Vous en pensez quoi? Et là, il n'y a aucun matériel. C'est de la ficelle dorée, mais vous mettez une autre ficelle que vous colorez du sang, de coloris que vous voulez. Le principe, c'est ficelle, ficelle. Là, c'est du papier paillette ou du masking tape. Un rond que vous découpez. Et voilà quoi, vous avez une carte de Noël, une petite étiquette Joyeux Noël. Vous n'avez pas de bijoux, vous pouvez faire des projections. Et voilà les trois finitions. Avec la plus simple, l'intermédiaire et la plus évoluée avec plus de volume. Et donc de la peinture à paillettes à effet, du papier qui a été passé dans un classeur d'embossage. Voilà pour les différentes versions. Vous voyez que les trois, j'aime bien les trois. Il n'y a aucune... j'ai aucune préférence. Elles sont toutes les trois jolies. Et donc, comme quoi, c'est pas toujours la quantité de matériel qu'on a. C'est sûr que ça nous facilite la tâche. Mais c'est pas pour ça que quelquefois, on peut pas faire des projets avec moins de...
matériel. Il suffit d'avoir un petit peu d'imagination et de créativité. Donc, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Ça sera toujours un tuto en rapport avec Noël. Vous vous en doutez, ça approche à grands pas. Maintenant, on est à un mois du début des fêtes de l'Avent. Donc, du coup, je vais vous proposer des projets de Noël et ou fêtes de fin d'année, nouvel an, au moins encore pendant un bon mois. C'est une période que j'aime vraiment beaucoup. Et donc, on va pas se priver, ça passe tellement vite. À bientôt!